Salut, salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner un sacrifice de fin d'année. Vous savez que quand fin d'année arrive, là, il y a des choses horribles qui arrivent. Accidents passés, attaques mystiques, toutes sortes de choses arrivent. Les sorciers sont en tas, comme on le dit. Donc aujourd'hui, ce sacrifice que je vais vous montrer, c'est très simple à le faire. Mais vous allez voir l'efficacité, Inch'Allah, vous allez voir les résultats. Comment dirais-je? Si en 2023, là, les choses que vous n'avez pas pu avoir, vous n'avez pas pu obtenir et tout, 2024 arrive. Donc, essayez de vous manier, essayez de vous manifester pour que 2024 soit une année, soit votre année. Voilà, pour ça, vous devez faire ce sacrifice-là. Donc, pour faire ce sacrifice, vous aurez besoin de 7 œufs. Vous aurez besoin de 7 œufs. Voilà, vous aurez besoin de 7 œufs. Là, je vous présente trois, mais vous avez besoin de sept. Je dis bien sept, que tu sois un homme ou une femme, vous avez besoin de sept œufs. Et les sept œufs, comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez prendre votre marqueur pour écrire dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez prendre le premier, vous allez écrire santé. Le deuxième, vous allez écrire longévité. Ça dépend de ce que vous voulez. Richesse, prospérité, succès. Si tu veux être aimé. Voilà les choses en tout cas dont vous avez besoin. C'est ce que vous allez écrire sur les œufs là. Chaque œuf, vous écrivez quelque chose dessus avec marqueur. Sur chaque œuf, vous allez écrire quelque chose dessus. Voilà les attaques mystiques. Comment on appelle ça? Quand vous écrivez dessus, vous faites les vœux. Que ça soit attaque mystique, ça soit sorcellerie, ça soit. Peu importe, quelqu'un qui a mauvaise pensée contre toi, quelqu'un qui essaie de te faire du mal, que tout retourne envers cette personne et tout. Quand vous allez finir de faire votre vœu sur les sept œufs, vous allez finir d'écrire sur les sept œufs. Vous allez prendre les sept œufs, allez les casser dans un carrefour. J'ai dit bien, allez-y les casser dans un carrefour. Et quand vous allez les casser, vous faites les vœux. Tout ce que vous n'avez pas pu réaliser en cette année 2023 là, que 2024 soit votre année, que Dieu vous permet de pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Si vous étiez enchaîné, la manière dont les œufs là vont se briser, que les chaînes là se brisent comme ça, que vous avez votre liberté, que rien ne vous empêche d'avoir votre bonheur. Toute personne qui va se mettre à travers votre bonheur, que cette personne-là soit brisée, comme la manière dont les œufs là seront brisés. Inch'Allah, vous faites vos vœux comme ça et puis vous les brisez. Et puis voilà, vous n'allez pas tout jeter ensemble, prenez un en un, vous tapez. Parce que ça, il faut que ça se brise vraiment, il faut que les œufs se cassent. Voilà, vous allez faire un en un, comme ça, vous faites tous vos vœux là, comme j'ai dit, vous allez les casser. Inch'Allah, je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui met sa baraka dedans. Faites et puis restez positif, vous allez voir ce qui va se passer. La gloire qui va se manifester dans votre vie en cette fin d'année, vous allez le voir, Inch'Allah. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Coach Luxueux, à ma page Facebook qui est Coach Luxueux et à mon Instagram qui est King Luxueux pour des questions et tout. Et Coach Luxueux, voilà. Merci.